Vous savez que chez nous, les rumeurs prennent toujours place sur la vérité. Et nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on travaille. Et vous qui êtes journaliste, vous constatez, vous avez constaté sur le terrain ce qui s'est passé. Ici, c'est la ville de Denis Sassou Nguesso. Comme lui-même, il dit, c'est la porte de ma maison, Gamboma. Et donc les choses n'ont pas changé. Les choses demeurent telles. Vous avez vu vous-même toute cette grande mobilisation des populations de Gamboma. Et ça a toujours été comme ça lorsqu'il s'agit du président Sassou. Donc ce n'est pas nouveau. C'est sûr et certain. Comme on dit, un coup KO. Je l'ai dit au meeting là-bas. Mais je vous ai dit ici, c'est chez Sassou Nguesso. C'est chez lui. Ici, c'est comme si les gens votaient à Oyo. C'est la même chose. Il est chez lui ici. Et on le prend comme ça. Vous savez, Gamboma est une ville très cosmopolite. Il n'y a pas que les Teke ou les Gangoulou ici. Il y a tout le monde. Et en majorité, les gens aiment le président Sassou. Et je suis bien placé pour vous le dire. Et s'il y a un message à véhiculer encore à l'endroit de ces gens qui se donnent un peu C'est de garder le même rythme jusqu'à la fin de la campagne et surtout de ne pas céder à la provocation. Nous avons un champion, donc nous portons les œufs sur la tête et il n'est pas question de se battre.